Jean-Luc Le Guay, bonjour. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter ton dernier ouvrage, L'Apocalypse enluminé. Un ouvrage qui était sorti en 1999 chez Hippomée Albin Michel, qui est épuisé. Mais ce dernier opus est fortement revu, augmenté, corrigé. Il est édité chez Dervy. Alors, l'Apocalypse soit, mais pourquoi avoir commencé par les 7 jours de la création, cher Jean-Luc ? Alors, en fait, ce livre est une véritable montée vers l'Apocalypse de Saint Jean. Et à la fin, donc, de cette montée, il y a une sorte de réintégration du principe du souffle divin, et c'est une sorte d'éternel retour de cette réintégration de la parole qui a créé l'univers. Alors, Jean-Luc, pourquoi avoir fait suivre la Genèse par des textes de prophètes, petits ou grands, issus de l'Ancienne Alliance ? Alors, en fait, si l'on veut décrypter le texte de Saint Jean et en ouvrir les portes, eh bien, ces textes de l'Ancien et du Nouveau Testament sont des clés pour justement ouvrir les différents mondes qui se cachent derrière l'Apocalypse de Saint Jean. Par exemple, le songe de Nabucodonosor, où il y a le roi Nabucodonosor rêve d'une montagne, et de cette montagne, il va se détacher une pierre. Et il rêve qu'il y a une grande statue avec un visage en or, un torse et des bras en argent, des jambes en bronze et des pieds aussi fragiles que le fer et l'argile mêlés. Et cette pierre qui se détache de la montagne va détruire la statue et va grandir. Et à ce moment-là, il demande à ses prophètes en disant « J'ai fait un songe, je ne vous raconte absolument pas ce qu'il est puisque vous êtes des prophètes et des mages, donc vous allez deviner le rêve et vous allez me l'interpréter. Celui qui découvre mon rêve et qui l'interprète sera couvert d'or, les autres, eh bien, seront tués. » À ce moment-là, eh bien, ils hésitent et ils se disent « Mais c'est difficile, etc. » Et Daniel, le prophète, a un songe. Et il va voir le roi Nabucodonosor et lui dit « Roi, voici votre rêve. » La symbolique de ce rêve, c'est qu'il y a 4 royaumes. Un royaume d'or, un royaume d'argent, un royaume de bronze et un royaume aussi fragile que le fer et l'argile mêlés. Mais il y aura un 5e royaume. Et par exemple, eh bien, ce texte-là de l'Ancien Testament va éclairer la fin de l'Apocalypse de Saint Jean, où le diable est enchaîné pour 1000 ans, et il va y avoir 1000 ans de bonheur qui vont s'établir sur la terre. Et donc il y a un rapport avec ce 5e royaume du songe de Nabucodonosor et la fin de Saint Jean. Voilà un exemple. Alors, je disais que l'Apocalypse était revue, corrigée, augmentée, mais je rajouterais même fortement enrichie d'un dernier chapitre extraordinaire qui est ton enluminure, dédié au peuple américain à la suite des tragiques attentats du 11 septembre. Alors, peux-tu expliquer pour nos followers comment tu as conçu et dans quel esprit tu as conçu Eleven Beatus ? En fait, j'étais aux États-Unis, à New York, et un matin, ça s'est imposé. Il fallait que je fasse une enluminure avec ces attentats du 11 septembre, et parce que c'était le début du troisième millénaire. Et quand la première édition était sortie, ça n'existait pas, puisqu'il s'est sorti en novembre 1999, au passage du troisième millénaire. Et avec la fin avec Eleven Beatus, avec cette fin, ça revivifie en quelque sorte, eh bien, l'Apocalypse en disant mais ce ne sont pas des textes du passé, ce sont des textes qui sont encore actuels à l'intérieur de chacun de nous. Alors, cette enluminure, où peut-on la voir à New York pour... Alors, on peut la voir au Rockefeller Center de New York, dans la banque Raymond James.
Et il suffit donc de nous contacter et on peut aller la visiter. Alors, en parlant d'enluminures, je voudrais tout simplement signaler à nos followers qu'il y a des enluminures, les tiennes, qui sont toujours en vente à Scrim et dont le fruit de la vente est, c'est ton souhait, est donné à notre fondation de la Grande Loge Nationale Française. Et Jean-Luc, nous te remercions pour ce geste si, si généreux. Merci Jean-Luc et puis à très bientôt. Merci.